Jar. Kenneth Foy. Salut les amis, c'est Elfie et bienvenue pour ce 15e épisode du Challenge Descendance. Comme vous avez pu voir, Jonas nous a quittés dans un malheureux accident. Comme vous pouvez imaginer, Sarah et les enfants sont totalement anéantis. On va les aider à retrouver le sourire. Oh là là, reste pas là ma petite prune, tu vas être trempée. Allez, on va rentrer. Allez. Allez, on rentre tes cocos, là. Oh, ils sont tristes. Sarah a envie de faire pipi. Allez, on rentre. Allez, hop. Amy qui s'est réfugiée dans l'échiquier. Ok. Sarah, tu vas aller prendre une douche. Allez, ma cocotte, tu vas prendre une douche. Et après, tu iras manger. Comme il est, monsieur Chris, il va bien. Tu vas remplir les gamelles des chiens. Prune. Elle est trempée, elle aussi. Tu prends une douche. Donc voici la petite chambre de Chris qui a été refaite pour lui. Une chambre d'ado, hein. Voilà. Une petite chambre d'ado. Oh, ça va aller, Sarah. Et oui, la vie est pas si rose que ça aussi, hein, chez les Sims, malheureusement. Bah, va regarder la télé, ça va te divertir un peu. Chris, bah, lui, va bien pour l'instant. Va prendre une douche, là, Chris. Tu es trempé. Ça va aller, mes cocottes. Regardez la posture. Jamais vu ça. Oh, c'est trop triste. Ils me font de la peine. Oh non, la machine est morte. Allez vous coucher tranquillement. Sarah aussi, il faut la divertir un petit peu. Hop, tu vas regarder la télé. C'est qui est réveillé? C'est Chris. Il est réveillé. Il va faire ses devoirs, là. Il va faire ses devoirs dans la chambre de sa mère. Oui, bah tu vas aller faire pipi après. Est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs, elles, avant? Oui. Ça fait mal au cœur de les voir aussi tristes. Oh là 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 là, tu vas regarder un peu la télé avant de partir? Mais regardez-moi ce corps. Ah ça y est, les filles sont réveillées. Allez, va faire pipi toi. Ça va aller les filles. Allez, il est 8h les enfants, ils partent à l'école. Ah ça fait bizarre qu'avoir que 4 Sims et 2 chiens. Oh, on nous a coupé l'électricité, mince. Excusez-nous, on a pas pensé à payer l'électricité, on était en deuil. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Prendre une bouture. Ok. Chris a gagné une récompense scolaire. Devons-nous la lui donner devant toute la classe ou discrètement en privé? Bon, s'il a gagné une récompense, on le fait devant tout le monde. Piratage informatique. Aujourd'hui, nous avons surpris Prune en train d'essayer de pirater les ordinateurs de l'établissement. Nous ignorons quelles étaient ses intentions, mais nous l'avons arrêtée avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Oh là là, les enfants, ils se rebellent. Oh là, c'est grave, punissez-la. Un avertissement devrait suffire. Ouais, un avertissement devrait suffire. Elle est en deuil. Tu vas jouer pour faire monter ta compétence logique pour avoir une nouvelle promotion. Non, je veux pas d'offre de travail, merci. Bon, tu vas t'arrêter là, Sarah. Tu vas aller faire pipi. Regardez, ils sont trop mignons, tous les deux. Les petits pépères. Ah bah super, Loki, c'est très classe. Voilà, on a un inspecteur. Lui, citrouille. Fais fuir ce mec-là. Voilà les enfants. Oui, il me déprime total. Allez faire vos devoirs. Tu sais ça?
Ouais, dis-donc, pourquoi il la dispute? Il est malveillant. Mais sérieux? Donc, bravo, on dirait que ce foyer respecte tous les plans d'action du quartier. Actif, moi je dirais, du quartier actif. Vos prochaines factures seront diminuées pour récompenser votre engagement. Super, yes. Ah, ça commence à aller mieux, Sarah. Ouais, ça y est, elle a fini son deuil. Elle adore faire ses devoirs sur la balancelle. C'est fou, ça. Ah. On va discuter un peu avec notre fils. Complimenter. Ça va aller. Mais mangez en même temps. Vous pouvez discuter et manger, non? Ah, les filles sont en train de mourir de chaud, là. Sérieux? Changer de tenue. Et tu vas aller jouer du synthé. Jouer avec émotion, si tu veux. Qu'est-ce qu'elle a à aboyer, la Bibi, là? Elle monte sur le canapé, en plus. Ça va aller. C'est qui a mis la musique à fond, là? Ah, c'est Prune qui écoute la musique forte. Non, mais elle est sérieuse, elle. Elle est énervée, là. Elle est dans une phase au bord de la crise de nerfs. Alors, qu'est-ce qu'il a, Pierre? Certains sims ne manquent pas de culot, hein? J'ai invité une connaissance chez moi et tout à coup, elle a commencé à prendre de la nourriture dans mon réfrigérateur sans même me demander. Quelle grossièreté! Essayer d'être drôle, être d'accord avec lui, essayer de calmer. Me calmer? Me calmer? Pour qui tu me prends? Je me calmerai quand je serai prêt à me calmer. Ah mais il est sérieux? Il nous appelle pour se plaindre? On essaie de le détendre et il se fâche contre nous. Super, sympa. C'est très beau ce qu'elle joue. Ah Prune, tu vas faire pipi. Elle a fait pipi? Moi c'est bon, je croyais qu'elle avait pas fait pipi. Tu vas me repeindre. Peindre une toile triste. Alors lui, il est comment au niveau fitness? Il est qu'au premier niveau, d'accord. Pour que les filles et Chris deviennent adultes, il doit valider 2 compétences. Au max. Ça y est, elle a fini sa peinture? Elle est partie pleurer. Oui, oh, elle me fait trop de peine. Hop, Chris, tu vas arrêter là. Tu vas regarder un peu la télé pour te divertir. Et après, tu iras faire dodo. Sarah, comment elle est? Ça va. Et après, tu iras te coucher, Amy. Allez, ma cocotte. Allez, hop, tu vas t'arrêter. Tu vas aller faire pipi. Tu vas prendre une douche. Prune aussi, elle se lève. Il est 6h. Elle va préparer le petit déjeuner. Servir le petit déjeuner. Salade de fruits. Ah, elle remet la musique à fond, la Prune. Hop, tu vas aller prendre ton petit déj, si tu as le temps, oui. Amy, bon, elle est bien, Amy. Voilà, laissez dormir jusqu'à que ça soit l'heure. Elle est pas mal, la musique, hein. Moi, j'aime bien. Hein. Regardez, elle grogne parce que j'ai baissé la musique. Regardez, il est joyeux, mon petit Loki. On va le caresser après. Prends les restes. C'est qui m'appelle encore? Qu'est-ce qui se passe? Amy a été surpris en train de jouer sur son téléphone au lieu d'écouter la leçon. Oh là là, ils sont en pleine crise là. Ils font n'importe quoi, hein, endeuillés. Oh, soyez cool, hein, les enfants sont en deuil, sois gentil avec eux. C'est normal qu'ils font des bêtises. Faut juste leur expliquer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Greffer une plante. On fait que ça de greffer une plante. Non, merci, pas d'offre. On est bientôt au niveau 10. Ah! C'est pas possible, encore une offre de travail. Mais laissez-moi en paix. Hop, Chris est parti courir. Et Chris, tu restes par ici, hein. Tu vas pas en ville, hein. Tu fais pas la même erreur que ton père, hein. Ok? Là, tu as un mode concentration, tu vas pouvoir finir la compétence logique, là. J'adore la mélodie. Elle va être une grande pianiste. Une grande musicienne, parce qu'elle va apprendre le violon aussi. Allez, c'est bon, on a bientôt... C'est bientôt la fin. Allez, ma cocotte. Crie des mots interdits. Non. C'est bon, elle a validé la compétence logique. Hop, tu vas pouvoir manger. Niveau 5 du piano, cool. Elle a encore mis la musique à fond, la Prune. Sérieux. Elle est chiante. Elle nous casse les oreilles, en plus. Mais mange, tu peux discuter et manger avec le chien en même temps. Non, c'est pas possible. Oh, regardez, ils font tous leurs devoirs en même temps dans la même pièce.
C'est cool, et c'est trop chou. Vous nous faites pas des bébés, hein, les petits vieux, là. Je pense que c'est fichu maintenant. Tant mieux. Je veux pas d'autres chiots. C'est bon. Personne ne m'aimera jamais. Pourquoi ne pas tout laisser tomber? Je t'aimerai toujours. Les gens t'aiment, regarde autour de toi. Bah là, ma cocotte. Elle est fatiguée aussi. Holy! Hop, tout le monde est claqué là-dedans. Elle est tendue, ma cocotte. Bah oui, elle a un mal d'amour. C'est normal. Hop, elle est finie de rédiger là ton article. C'est bon. Tu vas refaire un deuxième là, ça va te monter la compétence. Après, tu vas t'occuper de Loki. Voilà, elle a validé le jardinage. Génial. Elle peut avoir une promotion maintenant. Et la dernière promotion. Génial. Ah, oh, j'ai trop hâte. Ah, c'est pas qu'une petite pluie, c'est un orage qui est de retour. Ouh là 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 là. Nettoyez la douche et prenez une douche après. Tiens, va taper dedans là. Ça va te détendre un peu là. Allez. Allez mon coco, frappe, frappe. Bon les amis, sur ce, on va se quitter pour ce petit épisode triste, hein. Bon, les enfants et Sarah ont fini par faire leur deuil. Nous aussi, on va finir par faire notre deuil de plus voir Jonas dans la famille. Sarah aussi va nous quitter, les jumelles vont nous quitter. On va poursuivre l'aventure avec Chris, mais voilà. Faut que ça arrive de temps en temps un peu de drama, on va dire. Voilà. En attendant de voir le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci Chris d'être parti, c'est très sympa.